on est aujourd'hui face vraiment à une situation qui est extrêmement inquiétante. Et donc, il faut aller vite pour essayer de protéger notre climat, qui est quand même ce qui contient absolument toute forme de vie sur Terre. Notre société s'est positionnée il y a quelques années en tant qu'acteur de référence d'un secteur de l'économie générant beaucoup de rejets de CO2, comme éco-constructeur. Et nous avons investi, réalisé des projets concrets, une centrale solaire photovoltaïque qui rend 100% autonome notre centrale à béton, des valorisations de matériaux sur notre site de Cournot, l'acquisition d'engins hybrides, la réalisation de béton en emprisonnement de CO2 avec la cristallisation de CO2 gazeux dans nos bétons. On a imaginé cette maison, on a commencé à discuter pour faire que le gros œuvre soit réalisé par Marc-Pierre Jura. Et puis voilà, et de tout ça est née cette collaboration, que ce soit ici avec ce bâtiment énergie positive, mais aussi avec l'aventure sur la Stratos. On a trouvé des synergies, nous avons envie de participer à l'aventure. Et puis c'est assez génial de faire ça ensemble. Le partenariat avec Solar Stratos nous amène à rencontrer des personnes sensibles à ce changement climatique avec des solutions de manière à être plus forts ensemble. En termes de valeurs communes entre Marc-Pierre Jura et Solar Stratos, c'est vraiment cette sensibilité à ces problèmes climatiques. On sent qu'ils essaient de trouver des solutions pour pouvoir faire des bâtiments qui consomment moins d'énergie, qui sont plus respectueux de l'environnement. Les décisions, c'est maintenant, et les actes également.